the beat. Salut tout le monde, nouvelle vidéo concernant Boudin Mustapha qui nous donne la solution pour la victoire des éperviers. Si vous êtes nouveau sur la chaîne, n'hésitez pas à vous abonner et activer la cloche de notification. Sans plus tarder, je vous laisse regarder la vidéo. Le stade de Kégué, c'est à moi, je vous jure. Quand on a ouvert le stade comme ça, le premier jour, quand Yad m'a pris la clé au portail là-bas, là, il a remis à son fils Rock, c'est moi que Rock a donné. Et la nuit là, on n'a pas dormi. Rock et moi, on a fait une réunion. Au stade. Au stade. Rock et moi, quand tout le monde est parti, on partait vers 23h, 0h, comme ça. Quels étaient les secrets de la gestion de ce stade ? Je vais vous dire, je ne peux pas vous cacher, parce que ici, ce n'est pas la politique, c'est le sport. Et, j'ai dit, mon collègue, on vous a donné, c'est ton papa qui t'a donné la clé. Il ne faut pas qu'on dort. On doit quitter. Il a accepté, il a appelé son papa. Le papa a accepté et on a quitté le Togo. Lui et moi, on est parti à quelque part. Pour aller préparer le stade. Je dis, on est parti à quelque part pour amener quelqu'un. Et ce quelqu'un aujourd'hui, il vient lui, il a trois maisons. Moi, j'ai une seule maison Demilo. Sur Demilo. Lui, il a trois maisons. Ce quelqu'un. Il est ici? Je vous jure qu'il est ici. C'est un Togolais? Non. Ah. Mais il est encore là, vivant. Il est encore là, vivant. Et je les ai dit de laisser le match là. Sinon, le gars là va bouffer de l'argent. Pour rien. Parce qu'on doit, refaire le terrain. Parce que le terrain de Kégué, tout ce qui est dedans là, le jour où Roquet, on a battu en même temps là. Nous, on a... enlevé. Ah bon? Franchement. Vous avez tout cassé. On a tout cassé. Je vous jure, on a tout cassé. Sans vous mentir, je vous dis la vérité. On a tout cassé. C'est pourquoi je t'appelais. Êtes-vous prêt aujourd'hui à apporter, à prêter main porte quand je les ai dit ça là, ils disent que non, le président les a dit que le match de Sénégal, quoi. J'ai dit, bon, je vais vous amener chez lui. Chez le monsieur. Nous sommes allés chez le monsieur. Le monsieur les a reçus. Comme ils n'ont pas marché sur. Ce que je voulais, moi je suis sorti les laisser parler. J'étais dehors. Quand ils ont fini, ils sont sortis. On est parti. Avec eux, ils m'ont amené à la maison de poser. Donc quand ils m'ont amené à la maison de poser, après tout, ils m'appellent qu'on est en train de faire. Est-ce que ça est en train de faire? Je dis non. On est en train de faire. Mais n'oubliez pas, je vous ai dit que nous, on a préparé le terrain de Kégué. Au centre du terrain, sur les deux poteaux, on a placé des choses là-bas. Et maintenant, dans les vestiaires. Pourquoi vous avez enlevé ça? On a enlevé ça, c'est notre argent. Il ne nous a pas fait fata. J'ai laissé mon passeport avec son père dans le pays dont nous sommes partis le laisser. Et nous sommes partis le prendre. J'ai laissé mon passeport. Je l'ai donné. Il n'a qu'à rester. Le jour où on n'a pas rejoint, je prends mon passeport. Boudin Mustapha, est-ce que vous êtes prêt aujourd'hui à aider encore les EPF, en tout cas la Fédération Togolaise? Oui, ce qui a fait que je doute, c'est que je suis parti en Coupe du Monde avec 0 francs. Je suis revenu avec 0 francs. Pourtant, quand les joueurs prenaient les 50 millions... Nous, le staff, on devrait prendre 25 millions. On prend la moitié. Et qui a fixé le taux là? C'est l'entraîneur, le Nagola. Keshi. Parce que tous les voyages que moi j'ai effectués, c'est Keshi qui est venu. Il a dit que le travail que lui va aborder faire là, si on ne le met pas dans le staff technique, lui aussi va percevoir de l'argent. Les hommes insultaient seulement, vous les dans tout ça là. Je ne prenais même pas un franc. On me dit, le match est fini. Lundi, il faut aller voir Daen. Allô? Mon collègue Mbodé est venu chez moi. Remets-le 100 000, 200 000, 300 000. Pourtant, c'est moi qui distribue les millions aux joueurs avec le reste du staff technique.
C'est Kéti qui a enlevé ça très vite. Et qui a dit donc M. Bode Mustapha. Kéti Bode, c'est devant Yadma qu'il est parti dire ça. Sans blague. C'est devant le président de la République. Oui, c'est devant le président de la République qu'il a dit ça. Kéti Bode là, c'est lui le football togolais. C'est ce qu'il a dit. Il a dit ça au général. Et c'est Yadma qui nous a dit que nous, on va aller en Coupe du Monde, c'est pas la CAN. Il nous a reçu toute la délégation. Oui, on se rappelle. Ouais. La première personne pour nous dire que non, je ne veux pas la CAN, c'est la Coupe du Monde, c'est Yadma, paix à son âme. C'est lui qui nous a dit que vous, moi, je veux que vous allez à la Coupe du Monde, c'est pas la CAN. Bien. Bode Mustapha, oui. Vous avez raconté donc une partie. Moi, je voudrais tout simplement m'assurer. Et que vous restiez disponible pour aider ce football. Si je ne trouve pas mes 25 millions, je ne fais pas. Je vous jure. C'est la condition. Actuellement là. C'est la condition pour. Oui, tout de suite, même si l'équipe nationale veut jouer là. Mmh. Je vous jure. Si moi je prends de l'eau, je reste à ma devanture comme ça. Je parle, je verse. Les épreuves peuvent tout faire. Parce qu'on m'a trop triché. Mustapha Bode, je crois que. Et puis c'est moi qui ai aidé l'équipe nationale, on ne les a pas tués. Tous les joueurs devraient mourir. Nous savons que vous avez. C'est vous qui vous occupiez également de la sécurité de l'équipe. Merci d'avoir regardé la vidéo jusqu'à la fin. N'hésitez pas à vous abonner et à la prochaine pour une nouvelle vidéo.